Salut et bienvenue dans cette vidéo qui m'a été demandée dans des commentaires. J'ai trouvé l'idée intéressante de vous en parler. Donc installez-vous bien dans votre canapé, car aujourd'hui je vous raconte comment j'ai fait pour travailler dans le cinéma au Canada. 6h30, on commence le travail et on commence par ramasser les batteries. Donc je voulais commencer cette vidéo vendredi, mais vendredi il faisait du vent et il faisait froid. Aujourd'hui il neige. Quoi d'autre encore? Donc je suis dans deux domaines artistiques, la musique et l'audiovisuel, mais toujours dans le même domaine, le son. Après j'ai envie de vous dire que j'ai quand même pas mal réussi dans ce domaine, mais des échecs j'en ai essuyé pas mal aussi. Il y a une phrase d'Elon Musk que j'aime bien qui dit « L'échec est une option, si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas assez ». Donc les échecs contribuent à avancer dans sa vie, pour réussir ce qu'on veut faire. À vrai dire, je me suis toujours imposé trois règles. 1. Avoir une famille qui te soutient. Prouve-leur chaque jour que tu as envie de faire ça et que tu peux réussir dans ça. 2. Persévère. Si tu as envie de devenir guitariste, entraîne-toi tous les jours. Limite, dors avec ta guitare. 3. N'écoute que toi-même. À écouter les autres, on en oublie ses rêves et ses ambitions. Et c'est grâce à ces trois règles-là que j'ai pu faire DJ pendant 20 ans. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Sabrina. C'est en 2015, que j'ai repris mes études pour passer un bac pro SEN, système électronique numérique, chant audiovisuel. Ça, c'était pour faire tech-son dans les théâtres. Grâce à ça, j'ai pu faire des stages qui m'ont ouvert les portes des théâtres de Paris. Donc au final, j'ai fait tech-son pendant 3-4 ans en parallèle de mon métier de DJ pour au final finir ici en tant que perchiste dans le cinéma. Perchiste, perchman, boom opérateur, deuxième assistant son. Il y a plein de noms différents, appelez ça comme vous voulez. Du coup, petit comeback en arrière, on revient en 2020 à notre arrivée au Canada. Aujourd'hui, on tourne dans une école primaire et secondaire. On a fait toute la matinée dehors, on avait froid. Comme je vous disais dans la vidéo du bilan, et si vous ne l'avez pas encore vu, le lien en description, on est arrivé le 6 février 2020. C'est sûr que pour nous, c'était la meilleure période pour arriver. Et je dis à Sabrina, tu sais quoi, laisse-moi 15 jours. Et je commence à chercher du travail, laisse-moi faire un peu le tour, visiter les lieux. Par la suite, j'envoie mes CV. Donc, je commence par les théâtres. Je reçois quelques réponses pas désagréables du genre, non, mais on garde votre contact. Ou sinon, on n'a pas besoin en ce moment. Et nous, on travaille plutôt avec le syndicat. Le syndicat, ok. Du moins des réponses qui ne laissent pas grand espoir, mais c'est mal me connaître, je lâche pas l'affaire. Vu que je voulais travailler en télé aussi, j'envoie aux chaînes de télé. En tout, avec les théâtres, j'ai dû envoyer 150 CV. Entre-temps, je m'inscris sur les groupes Facebook pour travailler dans les théâtres. Et là, je rencontre une personne qui est un élément clé pour la suite. Et tout à coup, notre ami la Covid qui pointe son nez. Ça devait durer un an, blablabla. Je vous refais pas l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Quelques mois après les fermetures, l'industrie du cinéma a repris. Vu que j'avais fait un peu de perche en amateur grâce à mon ami Julien en France et que ça m'avait hypé, je me suis dit, let's go, cherchons comment faire. De une, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube sur le sujet. De deux, j'ai posté sur mon Facebook comme quoi je cherchais dans le cinéma au Québec. De trois, est-ce que j'aurais la chance d'avoir un ami dans mes contacts qui connaisse quelqu'un qui vit au Québec et qui travaille dans le cinéma? Pensez que c'est fut le cas? Je vous le dirai un autre jour. Pour l'instant, il faut que je retourne travailler. Donc, mon pote me met en relation avec un ami à lui, qui par chance vit au Canada, qui par chance vit au Québec, et qui par chance travaille dans le cinéma. Et qui par chance veut bien me recevoir pour me raconter comment ça marche ici. Et là, je découvre le syndicat pour les techniciens du cinéma. Parlons de l'Actis 514 à Yalcé, voilà le syndicat des techniciens du cinéma au Québec. Actis étant le côté québécois de l'industrie, et à Yalcé le côté américain. Et je crois que c'est en 2021 que les deux ont fusionné. Comment
facilement adhérer au syndicat. Il vous faudra créer un compte sur leur site, faire une petite formation d'une journée, et après votre premier contrat, vous devenez permissionnaire mais pas encore membre. Si vous voulez que je vous détaille un peu plus comment ça marche, dites-moi-le en commentaire et je vous ferai une vidéo. Ah, Bichette, elle a froid au visage. Oui. Comment j'ai eu mon premier contrat de perchiste au Québec? Enfin, on y vient. Vous vous rappelez la personne que j'ai rencontrée sur les groupes Facebook? Ben, c'est grâce à elle. Il connaissait un perchiste qui avait besoin d'un remplacement, et donc il a fait appel à moi. On s'est appelé, tout était tiguidou. Si vous savez pas ce que ça veut dire, je vous mets le lien de la vidéo en description. Il a parlé de moi à son preneur de son, qui, malgré ma petite expérience, a dit ok. Et voilà comment, au bout d'un an et quelques mois, j'ai pu enfin reprendre le travail, fuck la Covid, et devenir perchiste et permissionnaire au Québec. Après la petite balade en famille au centre de la nature, il est temps de vous parler de mon premier jour. Comment vous dire qu'il va rester éternellement dans ma mémoire? Vous savez quoi? Je vais pas vous en parler, je vais vous le montrer. Je m'excuse tellement! Tu m'as tué dans l'oreille! Je m'excuse tellement! C'est son premier jour. Premier jour, premier clap et une balle en pleine face. Ça, c'est sûr que je vais pas l'oublier. Et de plus, c'est que je suis dans les bloopers de la série. Mais grâce à tout ce que je vous ai raconté, ben, ça m'a ouvert les portes du cinéma au Québec. Donc ma job consiste à prendre le son avec la perche, où je me balade d'acteur en acteur en suivant leur dialogue et en essayant de ne pas perdre une ligne de leur dialogue. Ma performance préférée, c'est le walk and talk, suivre un dialogue en marchant. Très technique, mais j'adore ça. J'aide aussi le preneur de son à placer les micros lavaliers sur les acteurs et plein d'autres petites affaires. Je suis aussi assistant son quand je fais de l'américain. Après, j'en ai fait que deux fois. Un de 5 jours et un de 2 jours. C'est-à-dire, je place les micros sur les acteurs, je m'occupe des batteries, je fais deuxième perche quand ils ont besoin sur le plateau, et plein d'autres petites choses. J'ai adoré ces expériences. Je conclue cette vidéo en vous disant que j'adore ma job. C'est pas évident et c'est très technique et douloureux car on a souvent les bras levés. Mais bordel, qu'est-ce que j'aime ça! Pas évident aussi d'être à la pige, parfois il y a beaucoup de travail, parfois il y en a moins, mais c'est le jeu. J'ai pu rencontrer des personnes formidables qui ont su me donner de bons conseils pour avancer dans ce métier. Et je les en remercie tous et toutes de leur patience et de la transmission de leur savoir. Est-ce que mon métier de DJ me manque? Oh que oui. Et il faudrait que je prenne le temps pour chercher quelques dates. Mais ça se fera, je suis confiant. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez job en commentaire et dites-moi quel est votre job ou la job de vos rêves. N'oubliez pas le petit like et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Soyez sages, je vous dis à bientôt. Peace.